Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du 19h50 sur Canal 2 International. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité ce soir. Maurice Kamto est de retour. Grande mobilisation et liesse lors des retrouvailles entre le président du MRC et ses partisans de Douala au siège du parti à Deido. Maurice Kamto est revenu sur ses propositions pour la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, également sur des indications sur la suite de son plan de résistance. Le son d'une première victoire pour le Social Democratic Front. Le recours du parti a abouti à l'annulation partielle des législatives dans 11 circonscriptions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais le tout n'est pas encore joué. Les précisions dans quelques instants. Alerte santé dans le Sud-Ouest. Le choléra fait son comeback à Tico. La ville portuaire enregistre 11 cas frappés par l'affliction avec un décès enregistré au district de santé de la ville. Bonsoir à tous et bienvenue au 19h50. Nous le disions il y a quelques instants, des milliers de militants du MRC réunis au siège de la formation politique ce jour à Douala. La rencontre entre Maurice Kamto et ses sympathisants a donné lieu à une mobilisation exceptionnelle au quartier d'Eido. La circulation en a pris un sérieux coup pendant 4 heures. L'arrivée et le départ du président national du MRC sur les lieux en présence de quelques membres du bureau de son parti ont déclenché des scènes de liesse décrites par Michael Chitty et Emmanuel Birvica dans ce reportage. Sa parole était visiblement très attendue par ses partisans. De belles phrases qui ont eu le mérite de mettre certains dans une sorte de transe. Ça, c'est le discours de paix, de gloire, de bénédiction, d'amour et de fierté, de joie immense. Et quand leur leader leur annonce qu'ils doivent se tenir prêts pour la poursuite du plan national de résistance, restez mobilisés, restez prêts. J'ai dit, si besoin est, je vous appellerai à nouveau pour que nous organisions des marches jusqu'à ce que nous en fassions. Ils vont nous fracasser avec les matins, nous allons les fatiguer avec la paix. La réponse est sans embâche. Mon argent. Le président national du MRC maintient ses recommandations pour la résolution de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Libérez tous les prisonniers politiques. Donnons une chance à la paix en faisant asseoir tout le monde autour d'une table. Conclure un accord de cessez-le-feu avec les forces armées. Un plan d'urgence pour la reconstruction de près de 200 à 400 villages qui ont été brûlés. Et pendant que le parti pense déjà aux futures marches qu'il pourrait organiser à travers le pays, les prisonniers encore détenus ne sont pas oubliés. Mamadou Yakouba Mota, qu'est-ce qu'il fait en prison? Sidali Boutaga, Serge Tambonana, la question de la révision du code électoral vient relancer le débat autour de la présidentielle de 2018. Puisqu'ils ont refusé de reconduire les élections de 2018, qu'ils réforment le code électoral et qu'on recommande les élections. Et on verra qui est les Camerounais ont choisi. Le soleil ardent de cette journée n'a pas découragé les partisans qui ont attendu pendant près de 2 heures pour écouter leur leader. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, nous sommes engagés en politique. Dans un pays comme le nôtre, où il n'y a pas forcément le respect des droits de l'homme, nous savons que ça peut être au péril de nos vies, mais la liberté a un prix et nous devons rester fermes. C'est un plaisir d'être là parce qu'on s'est rendu compte qu'il est tellement aimé par la population. Toutes les populations sont sorties pour pouvoir assister au meeting du professeur Kamto. Je pense que c'est un grand homme, c'est un homme au grand cœur qui veut du changement pour le pays. Il a dit ceci, que les coups de matraque ne peuvent aucunement ne peuvent changer l'esprit et les idées de quelqu'un. Le fait marquant du jour,
c'est le comportement de la police et de la gendarmerie, salué presque à l'unanimité. Je donne un grand chapeau à la gendarmerie camerounaise et à la police camerounaise. Merci de n'avoir pas brutalisé, de n'avoir pas violenté la population. Ça progresse et ça c'est tout, tout simplement la démocratie en construction. Nous remercions le président de la République et le gouvernement camerounais pour la paix qu'ils ont mis, parce qu'il n'y a pas eu de troubles et tout s'est bien passé. Quelques téméraires à la fin de cette rencontre avec leur président ont poursuivi avec des scènes de liesse dans les rues de la ville de Douala, rendant encore plus difficile la circulation déjà fort perturbée dans la métropole économique. Et la suite de l'actualité dans ce 19h50, c'est avec les nouvelles législatives et municipales dans notre page spéciale. La session de plein droit à la mairie de Menganga s'est achevée par un boycott des conseillers UNDP-PCRN. Aboubacar Kombo, maire sortant réélu, a bénéficié des voix des conseillers municipaux UNDP, ces derniers qui attendaient un retour d'ascenseur en voyant deux des leurs à l'exécutif municipal. Seulement, les promesses de la nuit ont fondu au soleil de Menganga, nous dites-vous, Eric Guélé. Les conseillers UNDP de la commune de Menganga ont-ils été dupés au terme de la session de plein droit de ce 25 février? C'est en tout cas ce que laisse par cette déclaration d'un conseiller. Nous avons présenté un cadre conscient. S'il n'a pas été fait, nous sommes dans le conseil de poste. Le vote à 5 membres sur 6 en faveur du candidat du RDPC au poste de maire titulaire. Aboubacar Kombo a ainsi été plébiscité à un score stalinien, 36 voix contre 4, pour un bulletin nul contre son challenger du RCPN, Ousmane Malpetel. Quand on est élu, on ne fait plus partie d'un parti politique. Et mieux, une fois de plus, dire merci à toutes les populations, merci aux conseillers qui m'ont refait confiance. Les 4 places ont fait l'objet d'un débat houleux. Ibril Agoni, Larba Esther, Djoulay Souleymanou et Moustapha Bem ont été élus respectivement comme premier, deuxième, troisième et quatrième adjoint au terme d'un scrutin boycotté par 9 des 10 conseillers des deux partis de l'opposition. Je ne trouve pas que ma place et la place de mes camarades sont au sein de cette assemblée. C'est une affaire de famille de la majorité présidentielle. Féliciter les nouveaux élus et surtout aussi inviter M. le maire et l'ensemble de son équipe donc, à être donc ces élus qui vont implanter donc la nouvelle décentralisation qui est en marche. Aboubacar Kombo rampile pour un nouveau bail de 5 ans, entre autres projets non achevés de son dernier mandat, les travaux de réhabilitation de la mairie de Menganga. Après l'Adamawa, à l'ouest du pays, suite à de nombreuses batailles internes, manifestations des populations, Wandji est aux commandes de la mairie de Bouda, lui qui a été pendant 3 ans adjoint au maire. Le préfet a appelé les parties en conflit au départ à travailler ensemble pour le bien de la population. Li Piedjou et Marius Ngassa nous apportent les précisions dans cet élément. Entre tractation, trafic d'influence, manœuvre. De toutes sortes, la commune de Bouda dans les Bamboutos connaît enfin son maire. La bagarre entre Roger Michel Ngoula et Wangi a laissé sur le carreau le maire sortant Roger Ngoula. Le chemin des hommes est particulier. La politique, c'est un jeu et on doit se plier à ses règles. Aujourd'hui, la commune de Bouda reste debout parce qu'elle a à sa tête le maire Wangi. Le maire Wadi qui pendant 6 ans et demi a été mon premier adjoint. L'avenir de cette commune pour les 5 prochaines années est confié à Wangi, seul candidat en lice. Sur les 40 en votant, 28 pour Wangi et 13 bulletins nuls. Un sentiment d'émotion et de joie. Vous savez, aucune émotion, aucune élection n'a jamais été gagnée à l'avance. Ce n'est après cette session de plein droit, je vois qu'ils peuvent enfin se savoir maire de la commune de Bouda. Et c'est l'occasion pour moi de dire merci à mes frères et sœurs conseillers. Premier adjoint du maire sortant, aujourd'hui maire,
Le préfet des Bamboutos compte sur sa maîtrise de la commune pour mener à bien les projets de développement de cette municipalité. Je dois dire merci aux conseillers municipaux qui, malgré la tension qui régnait au sein du conseil et même à l'île, ont su surmonter cette tension et ont montré beaucoup de responsabilités pour cette session de plein droit. Il ne reste plus qu'à chaque parti de taire leurs différends pour que seul l'intérêt des populations triomphe. Et dans le Hongkam Banja précisément, l'élection de l'exécutif municipal a été renvoyée au 3 mars. Motif, le non-respect du genre dans la liste. Tandis qu'à Kekem, passé les fortes contestations des populations, les conseillers ont finalement élu le nouveau maire et ses adjoints. Christian Bousseux et Pierre-Marie Kéou nous en disent plus. Après les vives contestations d'une frange des conseillers municipaux de Kekem et des populations, le nouvel exécutif communal de cet arrondissement est enfin connu. Il s'agit de Komeni Dieudonné comme maire, Maya Hubert et Panja Adeline, respectivement premier et deuxième adjoint. Luc Dongo, préfet du Hongkam qui présidait les travaux, a salué le maire sortant pour ses réalisations et invité l'entrant à écouter les désiderata des populations. Il y a de cela une semaine, on s'est séparé ici en queue de poisson, dans un brouhaha. Mais pendant la semaine écoulée, tout le monde est revenu à des meilleurs sentiments. Bon, j'ai demandé au maire élu, au nouveau maire élu, je lui ai rappelé que les attentes sont nombreuses. Les populations attendent beaucoup de son mandat. Le nouveau maire de Kekem a quant à lui invité les conseillers municipaux à un travail concerté. Les maires de la décentralisation, la nouvelle version, c'est quelque chose parce que c'est toujours bien d'être pionnier. On va essayer de poser des jalons pour les générations futures. Bon, nouveau maire, vraiment, nous sommes trop contents d'entrer en gouvernement de Kekem. Et très contents, parce que c'est un maire qu'on attendait. Et il y aura changement. En ce jour, nous avons eu un maire du siècle. À l'annonce de ces résultats, les populations ont envahi les artères de la ville de Kekem pour exprimer leur joie. Dans la commune de Banja, l'élection a de nouveau été renvoyée à cause du non-respect du genre et d'autres irrégularités. Rendez-vous est pris pour le 3 mars prochain. Dans le Fundi, les nouveaux édiles sont aussi connus. On en parle en direct de la capitale Yaoundé avec Alain Ghislain Kanga. Alain, bonsoir à vous. Mokouri, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, le département du Fundi siège des institutions à ses 7 maires depuis ce matin. Il a fallu plus de 18 heures de travaux dans les 7 communes d'arrondissement que compte la ville de Yaoundé. Si tous sont du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il y a de nouveaux visages et ceux qui conservent leur fauteuil. L'identité des maires de Yaoundé, un reportage de Brand Kamga et Samuel Bonis. La nuit a été longue, les tractations aussi, mais à l'arrivée à 4h45 du matin ce mercredi, Yaoundé premier a son nouveau maire, Jean-Marie Abouna. Je mesure les lourdes tâches et la lourde mission qui est la mienne pour mettre, accompagner la commune de Yaoundé premier dans la nouvelle décentralisation que promet le chef de l'État. Le challenger du maire entrant, Dieudonné Ambassa, reconnaît sa défaite. 15 voix contre 26. Le maire sortant, Émile Andéandé, n'est ni adjoint au maire, ni dans la liste des grands conseillers. Le combat a été plus rude à Yaoundé 4, où Gabriel Bina Efila a renversé de justesse Régine Amogunoma, 32 voix contre 29. Du nouveau également à Yaoundé 5, où Yvette Ngonoï Tundi cède le fauteuil à Augustin Bala, plébiscité à 100%. Lucas Ohona prend les rênes de la commune de Yaoundé 3 en remplacement d'Étienne Otélémanda. 4 nouveaux entrants et 3 sortants qui conservent leur place. Yannick Aïssi reste maire de Yaoundé 2 et malgré l'opposition de Saint-Éloi Bidoun à Yaoundé 6, Yoki Onana a été élu 29 voix contre 9. Une reconduction le jour de son anniversaire. C'est une grande responsabilité. Je ferai tout pour mettre en œuvre les attentes non seulement
des conseillers municipaux, mais également des populations. La feuille de route, c'est l'amélioration des performances des services locaux, améliorer la connectivité dans les différents quartiers et essayer de lutter contre les exclusions. Augustin Tamba reste également maire de la commune de Yaoundé 7. De mardi 11h à mercredi 5h, 18 heures de travail non-stop pour le préfet Dumfundi et son état-major qui préside l'élection des maires dans les 7 arrondissements. Au final, les choses ont été bien conduites et tout s'est passé sans incident. 7 maires extampillés Rassemblement démocratique du peuple camerounais sans opposition. Aucune femme ne figure à la tête des exécutifs communaux dans l'Umfundi. Il y en a eu 2 au précédent mandat. Législative du 9 février, le Conseil constitutionnel a annulé partiellement les élections dans 11 circonscriptions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Une décision rendue hier à l'issue du contentieux post-électoral qui sonne comme une première victoire pour le requérant, le social-démocratique Front, pour qui tout n'est pas joué. Bon Kamga, Samuel Bonis. C'est une grande première pour le Conseil constitutionnel, l'annulation totale de l'élection des députés dans 11 circonscriptions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pour le Social Democratic Front qui a déposé les recours en annulation, la justice a triomphé. Cette décision a confirmé notre préoccupation avant et après même le scrutin. Nous avons toujours dit que les conditions n'étaient pas propice pour la tenue d'une élection dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Le SDF a déposé 16 requêtes sur les 40 examinées lors du contentieux post-électoral. Maître Mbanda et compagnie ont convaincu le Conseil avec preuve à l'appui. L'organisation n'y était pas, la population n'est pas sortie pour voter. Il y a eu une sorte de confection de PV qui ne répondait pas effectivement à la réalité du terrain. Elections Cameroun, par la voix de son avocat Maître Atangana Amougou, a soutenu que les centres de vote avaient été délocalisés pour des raisons sécuritaires. Si le parti de Nidjon Frondi regrette l'absence de solidarité des partis politiques pour l'annulation totale du double scrutin dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il appelle le gouvernement à tout mettre en œuvre pour la reprise des élections libres et transparentes dans ces 11 circonscriptions, dans au plus tard 40 jours, tel que prescrit par la loi. Il n'est pas impossible qu'ils établissent la paix dans 20 jours. Il n'est pas impossible. Si les conditions sont propices, nous allons aller aux élections et nous sommes sûrs de gagner. Le SDF et d'autres partis ont également saisi les tribunaux administratifs de la zone anglophone pour l'annulation de l'élection des conseils municipaux. Et vous l'avez suivi, 11 circonscriptions annulées pour les législatives, ce qui équivaut à 11 sièges rouverts. Il est attendu par la convocation du corps électoral par le président de la République, mais la décision du Conseil constitutionnel ne va pas sans effet. Ghislain Pierre-Issonneau. Deux types d'effets à relever suite à l'annulation des élections législatives du 9 février dernier dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais par le Conseil constitutionnel. Le premier des droits, c'est que le corps électoral est attendu pour être convoqué par le président de la République 20 jours au moins et 40 jours au plus à compter de la date du 25 février 2020, selon les dispositions de l'article 135 du Code électoral. Effet des droits, c'est que ces partiels ne vont pas empêcher le fonctionnement de l'institution parlementaire, l'Assemblée nationale en l'occurrence. Il est annoncé une session de plein droit le 10 mars prochain, question de vérifier la capacité des députés à pouvoir siéger. Il en est ainsi des incompatibilités. À l'annonce des décisions du Conseil constitutionnel, Grégoire Owona, dont le parti n'avait pas intérêt à ces annulations, a dit être déçu, mais le droit a été dit. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais perd et gagne donc tactiquement. Lui aussi peut se voir perdre des sièges, un argument pour le futur en somme. Politiquement, pour ainsi dire, le contexte des rapports des ONG, organisations non gouvernementales internationales, ne s'y prêtait pas. Ces annulations peuvent être perçues, pas comme un rétropédalage, mais une façon de prendre à contre-pied les velléités. On dira alors que la zone n'est pas totalement sécurisée et on ne peut donc pas valider des élections qui s'y sont déroulées. Une autre façon de légitimer une opinion internationale qui estime que l'élection ne s'est pas bien passée dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.
Deux régions qui sont ainsi mises entre guillemets pour un temps au profit du cadre gouvernemental qui avait marre d'entendre rabâcher à ses oreilles. Encore que 111 députés sur 150, l'Assemblée nationale pourra valablement délibérer. Page consacrée aux législatives et municipales pour dire que cette décision du Conseil constitutionnel contraste avec le sort réservé à de nombreux recours dans le cadre des contentieux électoraux dans le passé. On en parle avec Patrick Christian Debo. Le rejet préliminaire massif des recours introduits dans le cadre des différents contentieux électoraux depuis les années 90 aurait-il donné de la consistance aux procédures des acteurs politiques au Cameroun? On serait tenté de répondre par l'affirmative au regard du taux croissant des recours qui prospèrent lors des récents contentieux. Entre 2007 et 2020, on note une diminution globale de ce nombre. Les chiffres pourraient laisser penser à une jugulation progressive des irrégularités dans le processus ou sous un autre angle, à une lassitude des potentiels requérants. Ces chiffres, tirés des différents rapports de l'ECAM à l'issue des scrutins, affichent également un nombre en augmentation de recours valides au niveau de l'instance juridictionnelle en charge du contentieux électoral au Cameroun. Quoique fortement querellés par les acteurs du processus, les options et les exigences du code électoral semblent de mieux en mieux exploitées par les états-majors dans leurs différentes requêtes. Avec un peu plus de 27% de recours valides pour les législatives du 9 février dernier, la copie du Conseil constitutionnel tutoie des cimes jamais atteintes en la matière. De quoi fait dire à certains analystes que l'ère du tout irrécevable s'effrite au fil du temps en confirmant la maîtrise de plus en plus avérée des rouages du processus électoral par chacun des acteurs concernés, quoique souvent opposés dans le fond de cette loi électorale. Innovant pour le développement économique du Cameroun, les microfinances vont bientôt utiliser le mode de financement islamique. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a présidé ce jour à Yaoundé la première session du comité de pilotage du programme d'appui au projet de financement de la microfinance en mode islamique au Cameroun. Les précisions dans cet élément réalisé avec le concours de Serge Alain Zebou et Constant Kamga. Le Cameroun prend le train de la diversification des instruments de financement bancaire. Notre pays tend les bras au financement de la microfinance en mode islamique. Nous avons donc voulu faire profiter nos populations de ce mode de financement qui est ouvert à tous. Quelles que soient vos croyances, quelle que soit votre confession religieuse, c'est un mode de financement qui a des vertus et qui permettra que nos populations puissent bénéficier de ces vertus. Parce qu'en réalité, la finance islamique fait aussi mieux dans la promotion de l'économie réelle et bien disposée à créer de la richesse. Dans ce mode, on distingue le financement avec participation qui repose sur le principe de partage des pertes et des profits et le financement sans participation qui concerne essentiellement les opérations à caractère commercial. Au cours de la première session du comité de pilotage du programme d'appui au projet de financement de la microfinance en mode islamique au Cameroun, ce 26 février à Yaoundé, le ministre des Finances a relevé quelques fruits de ce mode de financement. La mise en œuvre de ces cinq modes de financement sous la forme revolving a porté sur 519 microprojets dans des domaines variés au bénéfice d'une population estimée à 1500 bénéficiaires pour un financement initial de 600 millions de francs CFA reçus de la Banque islamique de développement et le taux de remboursement moyen était alors de 90%. L'élevage, la commercialisation du porc, les activités liées aux jeux de hasard, la production et la commercialisation des alcools ne sont pas éligibles dans le mode de financement islamique. En présence de plusieurs membres du gouvernement, les membres du comité du pilotage du programme d'appui de ce projet ont été installés. On parle à présent du développement des TIC chez le Premier ministre. Le chef du gouvernement, Joseph Dion Nguté, a reçu en audience hier le patron de Huawei Cameroun. Au cœur de l'échange, la question de la fibre optique et autres. Compte rendu de l'audience, Rodrigue Tonguet et Serge Alain Zebou. Deux piliers pour l'audience qu'accorde le Premier ministre Joseph Dion Nguté
à Douying, directeur général de Huawei Cameroun, et sa suite. La présentation du plan de développement de Huawei au Cameroun et le suivi de l'accord de partenariat stratégique en TIC paraffé en 2018. Sur les deux aspects, le Premier ministre encourage Huawei Cameroun à appuyer la jeunesse locale et à garantir le transfert de compétences en sa faveur. Surtout la contribution de Huawei dans le domaine de formation de TIC, que la formation de jeunesse camerounaise dans TIC, c'est fondamental pour ces jeunes rurales, pour se comporter de leur citoyen, c'est aussi un meilleur accès à l'emploi, marché international. Le Cameroun attend de Huawei des fruits de la coopération autour des projets de câbles sous-marins et le réseau backbone transmission par fibre optique mis en place avec Camtel, mais aussi entre autres l'électrification rurale par l'énergie solaire. Il a nous encouragé de continuer d'accompagner le Cameroun pour épanouir l'économie numérique du Cameroun en tant que le partenaire stratégique et prioritaire du Cameroun dans le domaine de TIC. L'entreprise chinoise prend l'engagement devant le Premier ministre du Cameroun d'œuvrer pour la transformation numérique du pays et d'honorer sa responsabilité sociétale en même temps. Et au terme de cette audience, le Premier ministre a pris la direction de Maroua, où il se trouve en ce moment, et on en parle avec vous, Aimée Catherine Moukouri. Bonsoir. Bonsoir Alain Ghislain Kanga. En effet, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, est à Maroua dans l'extrême nord. À son arrivée, il a été accueilli par le gouverneur de la région. Il procédera demain à la pose de la première pierre du pont entre Yagoua et Bonkor en présence des plus hautes autorités tchadiennes. Les détails dans nos prochaines éditions avec notre correspondant Aminou Alioum à la suite du Premier ministre. Et dans le registre des faits de société, des mafra aux arrêts présentés ce matin à la presse au groupement territorial de Bonanjo à Douala, de jeunes redoutables spécialisés dans le vol de véhicules et aussi de mèches avec des sécessionnistes. Yasser Trésor Tanon et Cédric Dintonnet nous en disent plus. Le premier malfrat présenté à la presse ce matin au groupement de Bonanjo à Douala est spécialisé dans le vol des véhicules. Traqué par les éléments de la gendarmerie après instruction du collégien au commandant du groupement, le bureau spécial de recherche et criminel, sous la houlette du lieutenant Dany Pierre Ketchajouène, passe à l'action. Voici, butin, deux voitures personnelles. Les victimes reviennent sur les faits. J'ai retrouvé ça à 5h30 qu'on a volé la voiture au quartier Bangé. Et je suis venu, j'ai porté plainte. 48 heures après, on a retrouvé la voiture. Je suis rentré à mon boulot le 20 février 2020, autour de 19h30. J'ai garé mon véhicule au lieu habituel devant mon domicile. Et à mon réveil le matin, je m'étais déjà apprêté pour me rendre à mon lieu de service. J'ai constaté que le véhicule a disparu. L'autre malfrat est redoutable au regard des chefs d'accusation. Arrêté avec des armes et munitions en sa possession, il serait un bras séculier des combattants séparatistes dans le nord-ouest Cameroun. Un certain nommé alias Mou Taï, qui a travaillé longtemps avec les sécessionnistes du Bafout dans le nord-ouest et qui les ravitaillait en denrées alimentaires. Il est un repli de justice, il est habitué à coutumer les faits. Et nous avons organisé des opérations, nous l'avons interpellé. Et pendant son exploitation, il nous a conduit dans la zone du Bafoussam en nous disant que ses armes sont stockées de ce côté. Par la suite, après exploitation, de longues exploitations, nous avons pu retrouver les armes ici à Douala, à Nouvelle. Leur exploitation a permis d'en savoir un peu plus sur leur mode de fonctionnement. Les deux présumés voleurs ont été directement déférés. Douala, capitale économique, un seul. Comme plusieurs villes du pays, la capitale économique Douala est victime des coupures intempestives d'électricité. Une situation qui suscite le courroux des populations. La Fondation camerounaise des consommateurs a à cet effet organisé un sitting. La FOCACO entend poursuivre son action jusqu'à la résolution des problèmes de fourniture d'énergie. Charles-Robert Itoc et Thierry Nana. Douala, capitale économique, un seul point de convergence entre les populations, les coupures intempestives d'électricité. Personne n'est épargné, tout le monde est logé à la même enseigne. Vous vous rendez compte qu'on coupe l'énergie de 19h à 3h dans mon quartier, principalement à PK10, à Jaune Zénith Militaire. Mais c'est toute l'économie qui est paralysée. Imaginez les commerçants,
La marchandise ne parvient pas à bien glacer. Les électroniciens, ils ne parviennent pas à travailler. Les couturiers, tout le monde se plaint. On vit des moments assez difficiles. Les enfants n'arrivent plus à étudier. Les enfants sont obligés de ne plus suivre normalement les cours. Vraiment, c'est très difficile. Et c'est également les aliments qui se détruisent dans les congélateurs. Donc c'est très pénible. Face au mutisme observé par les autorités compétentes, la Fondation des consommateurs du Cameroun, la FOCACO, a organisé un sitting pacifique au siège des Néo en Dokoti, dénonçant de fait les injustices subies par les habitants de la ville de Douala. Depuis plus de 2 mois, les délestages ont atteint un pic incomparable. Nous voulons donc attirer l'attention de l'État camerounais en disant que nous payons déjà assez cher le kilowatt au Cameroun, nous payons déjà assez cher le mètre cube d'eau au Cameroun pour qu'on ne puisse pas être desservi de façon continue. La Fondation des consommateurs du Cameroun, la FOCACO, entend poursuivre son plaidoyer jusqu'à ce que l'électricité soit fournie aux consommateurs comme il se doit. Nous parlions en titre de cette alerte sanitaire à Tiko dans la région du sud-ouest Cameroun. 11 cas de choléra viennent d'être déclarés dans la ville portuaire. Déjà un mort enregistré au district de santé de Tiko. Inès Ondouabala nous apporte les précisions dans cet élément. La ville de Tiko dans la région du sud-ouest Cameroun est en alerte depuis le 22 février 2020. La localité est en proie à une épidémie de choléra qui a déjà fait un mort. Nous avons reçu 11 cas et parmi les 11 cas, il n'y a que le décès de samedi que nous avons vu. Mais les cas qui sont dans le service pour le moment, nous avons 8 cas qui sont encore là. Et c'est stable, ils sont stables. Certains seront déchargés tout à l'heure, ils vont rentrer tout à l'heure, c'est stable. Hier, nous avons encore eu un cas. Depuis ce matin jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu de cas. Et la sensibilisation continue. Vous avez vu comment on a mis les moyens pour réduire les contaminations. Sur le torrent, on dénombre déjà plusieurs victimes. Au district de santé de Tiko, 11 cas suspects ont été déclarés. 3 autres cas sont confirmés dans cette zone. De monter un centre de traitement du choléra à l'hôpital district de Tiko avec le chef de district de santé, le directeur de l'hôpital d'où nous venons maintenant, et pour renforcer aussi l'activité poste de frontière de Tiko, là où nous trouvons maintenant là, pour que tous les passagers qui accostent soient désinfectés. Selon les responsables sanitaires de la région du Sud-Ouest, le premier cas de choléra enregistré dans le district de santé de Tiko est venu de Manoka, dont la ville de Douala. Des mesures de réponse sont mises en œuvre dans le district de santé de Tiko afin de circonscrire et d'éradiquer l'épidémie de choléra dans cette ville portuaire de la région du Sud-Ouest. Une recherche active des cas suspects est en cours sur le torrent. Les populations de la ville de Tiko ont été appelées à respecter les règles d'hygiène élémentaire et à signaler tout cas suspect présentant des symptômes du choléra. Et dans la page des sports de ce 19h50, parlons du clap.